Mandela. Je voulais venir à lui parce qu'on va un peu parler plutôt des Africains que vous avez côtoyés. Mais Mandela, vous l'avez interrogé quand il a été, quand il a été libéré, puis quand il a été président. Qu'est-ce qui vous a laissé comme impression? Lui, il fait partie de cette catégorie des bâtisseurs, des visionnaires. L'allure, l'élégance, une forme de tendresse dans le comportement et une humanité profonde. Comment? Mais une fermeté dans son humanité, c'est ça qui est extraordinaire. Une fermeté avec le sourire. C'est une élégance, parce que je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu en Afrique du Sud, au milieu de la foule. Je l'ai vu tête à tête à Paris. Hein. Une élégance. Et puis, comment ce leader qui a passé 27 ans en prison et avait cette classe et cette connaissance des affaires de son pays, du continent africain et du monde. Vous vous êtes lié d'amitié avec un autre grand Africain, c'est Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Oui, 10 ans, Jacques Chirac l'avait aidé à être moins dépendant des puissances économiques et des États-Unis. Il faisait pression. C'était quelqu'un de très bien. Et il m'est arrivé, auteur de vue, invité par lui, à l'accompagner dans des pays, au moment, par exemple, après la guerre entre Israël et les Hezbollah. Moi, j'ai visité à ses côtés 10 pays et je voyais comment ils négociaient. C'est un souvenir très, très tendre que j'ai à son égard et une émotion en parler. Puis il y en a un autre, peut-être que vous, c'est difficile d'en parler, c'est Alassane Ouattara, le président. Je dis pas parce que je parle à la Côte d'Ivoire, mais je parle à toute l'Afrique. J'allais en parler, mais allez-y. Il est respecté en Côte d'Ivoire. Je sais pas, il y a des critiques, des opposants comme partout. C'est ça qui fait vivre une démocratie. Il est respecté, il est écouté, probablement en Afrique, mais même ailleurs, sur le continent européen. Ouattara, c'est quelqu'un. Et moi, j'ai eu la chance de le connaître quand il était directeur adjoint du Fonds monétaire international. Et à l'époque, celui qui était le chef, un Français, Michel Cantu, exigeant, comme ça, là, il m'avait dit, il y en a un que vous avez intérêt à connaître. C'est Alassane Ouattara, il est dans le couloir. Là. Et à ce moment-là, Alassane Ouattara était en résidence surveillée quelque part, et à quelques-uns, nous avons fait en sorte qu'il soit libéré. Donc, voilà des leaders qui vont marquer. Vous êtes le bienvenu, à Abidjan, Jean-Pierre, pour venir voir un peu les transformations de ce pays. Venez. Et votre invitation, si vous me permettez, elle compte moins que celle d'Alassane Ouattara. Mais vous inquiétez pas, là, s'il entend ça, demain matin, vous avez votre invitation.